Donc, tu vas emmener une casquette quand même. Donc, regarde, attends. Alors, je t'ai mis un sac plastique pour mettre ton maillot de bain mouillé. Ton short. Mouillé. Une serviette. Ouais, c'est bon, je sais où est-ce qu'elle est. Et attends. Je vais les casser. Qu'est-ce que tu fais? Elle sert à rien. C'est joli. Ouais, emmène-les quand même. J'ai oublié le numéro de téléphone de la messe ici. Là. Allez. Allez, tu rentres à 5h? Hein? Bah, tu demanderas à l'heure là-bas. Hein? À Salafi. Allez, doucement. Je suis allée faire des coursettes. Oui, encore. Je vous montre vite fait. Alors, j'ai du lait sans lactose. J'ai pris un risotto aux crevettes. Le plat tout fait là, ça m'a donné envie. J'ai pris 4 saucisses de Francfort, qui étaient en promo, comme vous pouvez le constater. J'ai pris 2 filets de merlu, voilà, comme ça là. Ça, j'aime bien. J'ai pris des nems. Il y avait un lot de 2, il y avait une promo. D'ailleurs, après, j'ai pris des pâtes, j'ai pris des crèmes d'essai à la saveur Choco Peanut, donc c'est pour David et Alexis, c'est la marque Pâturage. J'ai pris des croque-monsieur sans croûte, j'ai pris du ketchup, j'ai pris de la mayonnaise, j'ai pris, alors ça c'est des tomates orange, la jaune, je me suis pris des délices en morceaux framboise, ça j'adore, délices en morceaux pêche, j'adore. Du taboulé. Des trucs là pour Alexis. La salade iceberg, c'est pour Alexis parce que lui, il n'aime pas ça du jardin. Bref. J'ai pris du vinaigre balsamique. J'ai pris là-dedans, c'est un avocat. J'ai pris pour Alexis des maîtres coques. Enfin, des trucs, des grignotes là. J'ai pris une sauce crudité. J'ai repris un Schweppes Virgin Mojito et j'ai repris des pains au chocolat croissant pour le matin. Dédicace à Mimi parce que j'ai eu des tickets à gratter aussi. Je les gratterai plus tard, je vais ranger tout ça et je verrai. Donc ce midi, on se fait un reste de poulet. David, il a fait un marié dans un peu d'huile et un peu de miel. C'est bon goût. Donc voilà. Poulet, des crudités, des tomates cerises, du pain, bref. On va goûter tout ça. Qu'est-ce qu'il manque? Je vais me chercher ce qu'il manque. Donc voilà. Quelle heure est-il? Il est 13h. Je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à tout à l'heure. C'était une courte séance. Il y a quoi, toi, les tomates cerises? Oh, il y a un petit papillon. Donc, les tomates. Ça, c'est les grosses tomates? Les grosses tomates. Ok. Les là, tomates les cerises. Tomates. Oh, c'est des petites boules là qu'on voit? Oui. Voilà. Un peu partout. Il y a essentiellement les tomates cerises en fait. Encore une belle salade.
les fraises sont pas sorties là. Non, ça marche pas bien. On en a eu quelques-unes, mais bien, on n'a pas assez de pieds. Non, puis ça va pas. Comme c'est fait, ça va. Ah bah là aussi, tomates cerises. Oui. Et on a des grosses tomates. Des petites grosses tomates. Ah oui. Bon, elles sont encore petites. Ouais. Hop. Voilà. Notre petit potager. Après les tomates, ça va. Quand ça va partir, ça va partir. Voilà, je trouve ça super en fait. Ça trop bien. Hein, pomme poire orange, tu seras d'accord avec moi, je pense. Elles ont l'air moins grosses que les tiennes, les tomates. Les grosses tomates, je parle. Bon, on verra comment elles vont évoluer. Je viens de voir les tiennes sur Instagram, c'est pour ça. À plus tard, les amis. Alors, le colis pour Peggy est prêt. Donc là, il vous paraît très gros, hein, la boîte, elle est. Il n'y a rien de plus que ce que je vous présentais, c'est le seul carton qui était adapté, donc j'ai dû mettre plein de rembourrage dedans pour pas que ça se balade trop. Le temps ça va, je pense qu'Alexis elle doit être capturé à la piscine avec ses avec son copain. Donc voilà, donc je vais poster le colis demain soir. Demain soir, donc il partira mardi, donc voilà, jeudi ou vendredi, je pense. Tout se passe bien. Donc voilà, donc ma Peggy m'a dit qu'elle regardait toujours pas la vidéo où je présentais Léo, elle veut garder la surprise jusqu'au bout. Donc j'espère qu'elle sera pas déçue, elle aurait peut-être mieux fait regarder avant, mais bon. On verra. En même temps, si ça lui plaît pas, elle va toujours remettre Léo, remettre ce qui lui plaît pas dans un concours. Je vais gratter mes jeux Intermarché, voir si j'ai gagné. La voiture, gratter les lunettes si contre recoller. Ouais. Faut que je trouve trois produits identiques. Bah viens. Je vais mettre tranquille. Je vais gratter mes tickets Intermarché, voir si on. Très bien. C'est passionnant. Je gratte, je gratte, je gratte, et je vous dis quoi? J'ai gratté, j'ai perdu. J'ai pris un petit bonbon pour fêter ça. Et je me suis fait couler un café que je vais aller boire. Deux. Oh, il était 3h dans le quart, ça passe vite. Truc de fou. Je vous dis à plus tard. Mon élastique! Qu'est-ce que tu fais? Faut que tu enlèves ton casque. Ah, comment c'était? C'était bien? Vous êtes beaucoup baigné ou pas? Ouais? T'as vu, j'ai acheté des cerises. Ah bah t'en as déjà pris une. Tu jettes le noyau, faut pas l'avaler. Hein. Tu vas dehors là? Mais c'était bien ou pas? Oui. Ok. Bah je t'appelle pour manger et tu me dis pas que t'as pas faim. Hein. Tu viendras quand je t'appelle. Mais j'ai pas goûté. Vous avez pas goûté chez Mathis? Tu casses bientôt. Bah ça suffit, on va manger de bonne heure. Il est tout petit. D'accord ? Voilà. Il est rentré. Il est pas très causant parce qu'il va retourner jouer dehors avec les voisins de devant là. Donc il est pressé de ressortir. Voilà. Qu'est-ce qu'il sort cet enfant ? Mais qu'il en profite hein, parce que l'été. C'est quand même plus pratique. Puis là, il était allé chez Mathis tout seul, il est revenu tout seul. Donc, c'est vraiment cool. Et puis là, il joue dehors, devant. Parce que, à une certaine heure, je ne veux pas qu'il aille plus loin que devant la maison. Donc voilà, donc je suis bien contente. Bon, il a l'air. Il vous a peut-être paru pas content, mais il est content. Donc voilà. Je ne sais pas quelle heure il est. Je crois qu'il est plus de 18h. Ouais, 18h15, je vais donc on va manger à 7h, je pense qu'on va manger une bonne heure. Je pense que ce soir on va faire rapidos pizza salade. D'ailleurs je vais sortir ça du frigo parce que moi la salade quand elle est trop froide,
J'aime pas ça, j'aime bien qu'elle soit à température ambiante. Donc voilà. Bon, je sais pas trop ce qui sera passé dans ce vlog. Hein. Mais bon. C'est ma vie, quoi. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, je me suis bien mise à jour là sur mes vidéos YouTube. J'ai fait pratiquement que ça. Enfin, une grande partie. Bon, je me suis occupée aussi du linge. Un petit peu de la salle de bain, tout ça. Bref. Donc, des petits trucs vite fait, bien fait. Ah, bien fait, je sais pas, mais vite fait, c'est sûr. je vais donc aller sortir ma salade. Je vous en ai un petit peu. Je n'ai pas que mon trépied. Hop, hop, hop. Ce soir, ce sera la pizza Sodebo chèvre lardon. Je vais mettre un peu de miel dessus pour faire chèvre miel. Ah, le loustique qui rentre. Voilà. Qu'est-ce que tu prends? Un bonbon. Tu m'en donnes un? Non. Merci, mon loup. Petit crocodile. Ah, j'ai encore franchement une autre batterie. Hein. C'est fou, ça. Attends, tu donnes pas toujours tous les bonbons aux copains? Non, parce que l'autre fois, t'as tout vidé, tous les paquets de bonbons, t'as tout donné. Hein. Donc, c'est gentil de partager. T'en donnes un chacun, ça suffit. Allez. La porte. En fait, j'achète des bonbons, je les mets dans un pot, voilà, je sais pas dans un pot, mais. Et puis un jour, je me lève plus du tout de bonbons, quoi. Je dis putain. En fait, Alexis, quand il est dans ses copains dehors, ben, il est fourré un bonbon, donc c'est gentil. Mais il leur en donne un, ça suffit, quoi. Enfin, je veux dire. Je peux donner un bonbon tous les gosses du quartier. Voilà. Je crois que je vais la mettre en charge, ma batterie. Je suis contente d'en avoir acheté une autre. En plus, je chargerai de batterie. Parce que sinon, sur cet appareil-là, il faut brancher directement l'appareil. Je crois que j'ai mis trop de bonbons à la bouche. Je vous laisse et je vous dis à plus tard. Bonjour à tous, on est quand? Nous sommes lundi. Ah, j'ai mon tapis qui merde là. On est lundi 26. Il fait 15 degrés ce matin, il est 7h43. Donc, bonne température quoi. Je pense qu'il va faire bon cet après-midi. Le ciel est un peu voilé, il y a pas. On sent que le nuage. On voit pas trop le soleil. J'ai très mal dormi cette nuit, j'ai eu très très mal au dos. J'ai eu du mal à trouver une bonne position. Dès que j'en trouvais une, j'avais de nouveau mal, donc je rechangeais, etc. etc. Donc c'était compliqué. Donc je suis crevée ce matin. Vraiment crevée quoi. En plus, hier soir. Alexis, on s'est fâché très fort, donc il est puni, il n'a pas le droit de sortir là, lundi, mardi, mercredi. Voilà. Donc je pense être assez tolérante, assez gentille. Je lui laisse passer pas mal de trucs, mais le manque de respect quand on je laisse faire des trucs et qu'on m'écoute pas quand je demande quelque chose, bah non, surtout quand on est insolent. Donc voilà, puni. Comme je disais l'autre fois, c'est un peu donnant-donnant, quoi. C'est un minimum de respect, un minimum d'écoute. Je pense être plutôt cool. Hein. Donc voilà, je suis peut-être voilà, comme ça, mais je suis plutôt cool dans ce que je laisse faire. Et, il faut qu'ils connaissent les limites. Et il faut pas. En fait, plus il en a, plus il en veut, quoi.
c'est jamais assez, c'est jamais. Voilà. Ils jouent toujours au malheureux, mais bon. Il faut un peu qu'il y ait quand même autour de lui ce qui se passe, quoi. Enfin bref. J'ai la voix un peu cassée en plus. Enfin, je sais pas, moi je me sens dans ma gorge, je sais pas. Je sais pas si c'est à force de toutes les clims et tout ça. Mais bon. Ou c'est parce que je suis très fatiguée. Donc commencer la semaine en dormant pas bien le dimanche soir. Voilà, j'ai mon dos, il me travaille là depuis quelques jours là. Enfin, parce qu'avant j'avais toujours mal, mais c'était léger, c'était très supportable. Là c'est pas que c'est insupportable, mais ça fait très mal quoi. Et comme je peux pas prendre les antidouleurs parce que ça me tourne la tête, ça me donne des vertiges, ben, je prends rien par du Doliprane, donc c'est pas suffisant, clairement. L'autre fois j'ai repris l'antidouleur à 22h et à 23h bah, j'ai dû aller me coucher parce que bon, j'avais fait exprès de le prendre tard exprès parce que je me suis dit si j'ai des effets secondaires bah, j'ai plus qu'à aller au lit quoi, j'ai rien d'autre à faire, je vais pas m'occuper d'Alexis, rien, et effectivement bah, je vais me coucher, je peux rien faire quoi. Enfin bref, donc pour la vidéo, là, toute la séquence d'hier elle est assez longue, je crois que ça fait plus de 10 minutes plus aujourd'hui, donc ça va faire je pense un assez long vlog. Je sais pas si vous voyez qu'il y a une que j'ai coupée entre temps. Enfin que j'ai coupé parce que j'avais une moto et beaucoup de voitures devant qui s'arrêtaient. J'avais une moto qui essayait de passer à ma gauche où il n'y avait pas la place. Donc bref. J'ai besoin de concentration. Donc je disais que déjà le vlog allait sûrement être assez long. Voilà, j'ai mis pas mal de vidéos en ligne là ces derniers temps entre le haul nose, le haul aux chaussures, les vlogs. Il y a un tag, il y a un autre tag qui va arriver. Plein de vidéos là ce week-end, j'ai mis plein de vidéos. J'espère que ça vous saoule pas trop toutes ces vidéos d'un coup en fait. Il y a des fois j'ai rien, puis là j'en ai plein. Allez, à plus tard. Voilà. Je suis près de la poste. Je vais mettre le colis de Peggy. Ça rime. Hop. Une main, c'est dur. Hein. Hop. Déjà, je me regarde bizarre parce que je parle à mon téléphone. J'arrive à la poste. Voilà. Dédicace à qui vous savez. Mimi. Bonne chose de faite. Donc c'est par demain, mardi. Après jeudi, normalement. Voilà, je suis contente. J'ai l'impression d'avoir accompli une mission phénoménale. Donc là, je ne sais plus trop quelle heure il est. Il doit être 5h et quelques. Je vais aller chercher Alexis. Et j'espère que ça va bien se passer ce soir. Je ne sais plus si je vous ai dit, mais David, il est en vacances cette semaine. Il avait des congés à épurer. Normalement, c'est avant le 31 mai, mais comme il avait plein de boulot, ils ont accepté. Est-ce qu'on lui reporte au mois de juin? Donc là, il a une semaine de vacances. Après, il retravaille une semaine et après, on est en vacances. Donc cool, quoi. Cool. Donc, il est à la maison. Donc, il m'a dit qu'il avait fait un grand ménage et tout. C'est génial. Voilà. Allez, vous avez vu, j'ai mis les boutons avec de nose là. On voit rien, c'est pas grave. Allez, je vous dis à plus tard.